Oh non, elle nous a trompé la nana. On la connaît pas en plus. On est bête, hein, on la connaît pas. J'aurais dû choisir Mia. Mais moi, je sais pas, t'as vu Mia, elle a essayé de me tuer. Merci. J'arrive pas à croire que tu m'aies choisi. Vaut mieux éviter Mia pour l'instant. On a peut-être une chance de s'en sortir. C'est moi, Mia. Oui. Elle va dire c'est moi, Mia, en fait. Je veux savoir ce que tout cela signifie. C'est vrai qu'on gole. Tu as raison. Mia est venue ici avec Evelyn. C'est là que ça a commencé. Evelyn. La gamine. Je savais que Mia cachait quelque chose. Ok. Parce que c'est l'enfant de Mia, en fait, Evelyn. Ouais. Là. Moi, j'y crois pas. C'est le bateau à bord duquel Mia et Evelyn sont venus. Quoi? Mais... ils sont venus avec ça. Allons jeter un œil. Pourquoi tu me regardes bizarrement? Je ne retourne pas là-dedans. Pourquoi? Je dois savoir ce que faisait Mia. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est elle. Evelyn ne veut pas nous laisser partir. Ah, non, non, Evie, pitié, Evie. Zoé! Zoé! Maman... par ici... Pourquoi fallait choisir Mia? Je suis sûre que Mia elle a un gosse et elle nous l'a caché. Oh, on va jouer Zoé? Ah non, on joue Mia? Zoé? Tout ça pour ça? Mais attendez. Et je ne comprends pas. Pas de regrets, que des remords. Le choix useless parce qu'en fait, il serait passé exactement la même chose, c'est ça? Salut Red Demon, comment vas-tu? Bisous à toi aussi. Attendez. Quasi, c'est vrai? Bon, vous savez quoi? On va faire le jeu et vous m'expliquez à la fin la différence, ok? Ethan? Ethan! Ah! Ethan! Ethan! Bah, Ethan, il a disparu là! Ethan, il a disparu. Ah, il a disparu, hein. Oh, on va voir après, de toute façon. Je vous dis, on finit le jeu, histoire que j'essaye de voir si je peux comprendre quelque chose. Et après, on verra, on en discutera. Donc là, bah non, là, je suis Zoé, du coup. C'était pas la voix de Mia, ça, hein. C'était pas la voix de Mia. Il me semble que je suis Zoé. Vu que j'étais avec Ethan et qu'on est au bord du bateau. Et je pense que c'est Mia qui nous attaque avec Evelyn ou quelque chose du genre. C'est à partir d'un ambiance de jeu. Bah déjà, je peux pas me défendre, donc j'aime pas ça. Non, je suis pas Mia mieux. Non, 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 là je suis Zoé. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Mais... ah ouais, je suis Mia? Zoé est morte. Oh. Oh, salut. Je passe, hein, m'en voulez pas. Mais oui, mais Ok. Et pourquoi Mia, elle s'est dirigée ici alors qu'elle devait rester dans la maison? Ok, c'est pas grave. Laissez-moi, je découvre. Ne me dites rien, d'accord? J'essaye de découvrir, j'essaye de comprendre. Oh putain. Ils sont tous morts. Ah ouais? Qu'est-ce que vous dites? La salle des machines. Qu'est-ce que tu racontes? Elle les a tous tués! Ah, elle! Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Je sais pas, hein. Il faut des armes. Est-ce qu'il y a des armes sur ce navire? Je sais rien. On passe par là, on peut peut-être sortir d'ici. Il y a une arme. Il n'y a pas d'arme. Je suis déçue! Ok. Alors. Non mais je pense qu'on comprendra plus tard, en vrai. Parce que...
Il y en a 13 dans le chat qui veulent faire. Ils veulent te faire faire le jeu dans le mauvais sens. Pourquoi? Mais ça, mais attendez, restez pas bloqués sur le choix. On continue l'aventure. Et comme je vous dis, après on en discutera. Histoire que je puisse essayer de me focus sur la partie là. D'accord, que j'ai choisi et tout ça. Ouais, je fais village après, tout à fait. Enfin, là je l'ai pas, j'ai pas encore acheté village. J'ai pas acheté village pour le moment. Oh là là, on va aller par là. Toujours à gauche. J'ai dit toujours à gauche. Pas ravi. Voilà. Registre de l'équipage. Ed Carlyle, ok. Oui, bon, ça, ok. Y'a quoi là-dedans? Putain, mais... Je vais sûrement se cacher ici pour échapper à quelque chose. Oui, oui, oui. Salut, bro. Ok. Ok. Ouais, me spoilez pas ou quoi, parce que du coup, enfin, je veux juste qu'on... Que je enfin, finir le jeu et ensuite on en parlera, quoi. Y a pas de problème avec ça. Puis y'en a qui n'ont pas vu le jeu non plus, donc qui aimeraient bien comprendre comme moi. Evelyne, mais c'est Natalia, ça. Est-ce que tu te souviens? Quoi? Qui es-tu? Natalia? Non, c'est pas Natalia, ça. Non, non, non. Natalia, elle est... Non. Oh bah non, Edouard. Pas de soucis. Il y a l'ouverture de l'euro. Oh, des bisous, Nana. C'est déjà l'heure de l'ouverture de l'euro. Bon match, Nana. Des bisous, du coup. J'espère que tu vas bien, Nayley. 21h. Oh bah ça va, il y a le time. On aura fini le jeu avant. T'inquiétez pas. Moi, ce soir, je vais bosser sur les VOD. Je vous mettrai toutes les VOD de la fin de Resident Evil Révélation 2. Et Resident Evil 7. Comme ça, on attaquera avec Village ensuite. Tu as dit qu'on pourrait être une famille. Mais on est une famille. De quoi est-ce que tu parles? Tu l'as dit! Oui? Attends! J'en ai assez d'attendre. Attends. Du loot! J'ai rien pour me défendre. C'est quoi cette arnaque? Du soin? J'ai rien pour me défendre. Bah, bah oui, à 21h, je pense qu'on aura fini le live, non? Je sais pas, hein. Ok, pistolet, cool. Qu'est-ce que c'est? Y'a rien du tout. Tac, tac, tac. On a un pistolet, les potes. On va aller loin. Hein. Deux balles. Deux balles. Bonsoir, Mitrax, comment vas-tu? T'as bien raison. Y'a des chances que ça parte sur une pizza. Ah, oh, ouais. Une... Oh, ça, j'ai tellement envie d'une pizza. Le truc rampant, c'est le truc qui m'attaque depuis des jours et des jours. Ok. Merde. Pousse-toi. Pousse-toi. Salut. Ça, ok. Ah. Il est déjà trop tard pour nous. Mais au moins, je peux informer le monde de ce qui est arrivé ici. Comme j'étais de nuit hier, j'ai fait une sieste dans le dortoir vers midi. J'étais à moitié endormie quand j'ai entendu le rire d'une gamine. Ou peut-être c'était dans ma tête. Je me suis levée à 19h30. Il y avait du grabuge dans le couloir. Drew, l'un de nos mécaniciens, est entré et a dit que quelque chose se passait en bas, peut-être une mutinerie. Son visage était blême. J'ai décidé d'aller voir, mais il n'est jamais revenu.
Il devait être environ 19h50 quand j'ai entendu des hurlements. Je me suis rendue à la buanderie et j'ai vu Clark en train de dormir, en train de se faire dévorer, pardon, par une sorte de monstre tout noir. Cette chose s'est ensuite retournée et a commencé à venir dans ma direction, en faisant claquer ses énormes dents pointues, semblables à celles des requins. J'ai crié comme une fillette et j'ai pris mes jambes à mon cou. À l'heure où j'écris ces lignes, je suis recroquevillée dans le dortoir, avec la peur d'être dévorée à mon tour. Les couloirs sont déjà infestés de ces créatures. Il m'arrive encore d'entendre ces hurlements, mais il est hors de question que je quitte ma cachette pour le moment. J'espère que quelqu'un trouvera cette lettre. Giovanni Finetti. Finetti. Vous regardez sur quoi le match? Parce que moi, j'ai pas la télé. Hein. Moi, je regarde pas la télé. Merci, Darkeville, pour le follow. Bienvenue à toi. Des balles. Oui, des balles. Ok. Qu'est-ce que c'est? Janet, j'espère que tu vas bien. J'imagine que 6 mois se seront déjà écoulés lorsque tu liras cette lettre. La vie est si ennuyeuse ici. Tous les jours, c'est la même chose. La mer, encore et toujours. Enfin, il y a tout de même un peu de nouveauté cette fois-ci. Nous avons des passagers à bord, ce qui n'arrive presque jamais. C'est un couple avec une petite fille. Mia? Mia, attends. Un couple avec une petite fille, tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Je pense que ce sont des parents éloignés du capitaine. Tu t'imagines, toi, voyager sur un pétrolier au lieu d'un navire de croisière? Ils doivent vraiment être fauchés. J'ai essayé de parler à la petite tout à l'heure, mais son père m'a jeté un regard glacial. Pourquoi est-il aussi méfiant? Maintenant que j'y pense, il me semble que le capitaine a dit qu'il n'avait pas de famille. Peut-être que je m'en fais pour rien. Tu me manques, je t'aime, Jim. Sur TF1, donc MyTF1. Ouais, MyTF1, ouais. Ouais. Ce que je vais regarder le match, c'est qui ce soir? C'est qui contre qui ce soir? C'est bon. Ok. C'est moi qui ai des munitions, non? Il n'y en a pas. Je sais pas ce que je dois faire. Hein. Ça. Fluide, ok. Y'a rien. Nada. Italie-Turquie. C'est un match qui se regarde. C'est un match qui se regarde. Ok, ça, là, donc, normalement, c'est ici. De mémoire. Pas du tout, c'est de l'autre côté. C'est en face, là-bas. Coucou, Blette, comment vas-tu? Tac. Et 2 balles, il me reste 2 balles. Non, j'ai trouvé des balles après. J'ai trouvé des balles. Je sais pas où il faut aller. Attends. Maintenance room, laundry, dining room, kitchen, security, control room. Bah en vrai, je pense vaut mieux aller tout en haut, non? En vrai de vrai. Salutations Gollum, comment vas-tu? Vitae, ça vaut le coup, la Turquie est bien sympa avant en ce moment, donc ouais, ça peut être intéressant du coup, ouais. Je peux pas y aller, ok, je peux pas y aller. C'est pas grave. J'ai pas tous les étages à fouiller. Oh, salut! Regarde ça. Oui? Quoi? Pourquoi? Tu dois te souvenir. Ok, je vais me souvenir, je vais me souvenir. Je savais pas que la partie était si longue. Si j'avais su, j'aurais coupé la VOD. Ça va, merci Gollum. Ça va bien. Test sujet E001. Mais c'est la grand-mère! Le sujet E001. Alan, ton état s'aggrave. Elle a dû m'infecter durant l'attaque. Il est trop tard pour moi. Tu me trompais avec Adam, en fait, c'est ça, Mia. C'est ton amant, je vois. Regarde mon regard. C'est tout ce que plein je mérite. De haine. C'est ma faute, si c'est enfui. Oui, c'est ta faute. Mais ça. Et en plus, tu leur poses des choses. Des choses. Elle t'a pas attaqué? Ça fait partie de son protocole d'empreinte. J'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Tiens.
des échantillons de ces tissus. Moi, à 21h ? Ah oui, non. Je vous dirai ce que je fais à 21h, les gars. Tout à l'heure. Tu répares tout ça. Il y a quelque chose qui est encore mieux que le match de foot. Ce soir, à 21h. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a quoi, là ? Oh, il y a rien. On a rien. En plus, j'ai rien fouillé. Tac. Koh-Lanta. Oh non, non, non. Mais je regarde pas la télé. Ça peut pas être Koh-Lanta. Non, mais je vous en parle à la fin du live. Vous inquiétez pas. Division des opérations spéciales, directeur Alan Drunet. Responsable Mia Winters. Elle me cachait quelque chose. D'après nos récents rapports, il y a un risque élevé que des organisations adverses tentent de dérober Evelyn si celle-ci reste à son emplacement actuel. Vous avez donc pour ordre de la transférer vers une autre branche centra-américaine afin qu'elle soit placée en lieu sûr jusqu'à nouvel ordre. Lors du transfert, assurez-vous de suivre le protocole suivant. On est parti pour des SCP, tu sais. Pas du tout, non, c'est pas le 3, ça concerne une chaîne Twitch, mais je vous en parle juste après. Faites-vous passer pour les parents d'Evelyn afin de ne pas éveiller les soupçons. Utilisez le codex de son génome qui vous a été fourni pour contrôler les signes vétaux d'Evelyn. Si la mission venait à échouer, procédez immédiatement à l'élimination d'Evelyn. C'est une gamine. Non, à 21h ce soir, je serai en viewer sur la chaîne de Sia. Qui va nous faire un petit... Yes, ça veut dire qu'elle est pas loin. Un petit live sur un tueur en série. Donc voilà. Du coup je vais regarder ça. Ça va être trop bien. Tac, ça on prend. Sur Charles Manson plus précisément. Sia. Voilà. Sia, S-I-H-A, tiré du bas, Art. Voilà. Une copine. Ok. De toute façon, je vais la host ce soir. À 21h, ce sera. Donc en même temps que le match, mais je la hosterai quand même. Impossible d'utiliser ça ici. Ça, c'est fermé. Ah, elle est là, non? À mon avis, elle est là. Merde. Hello. Elle vomit. Merde, je dois la réinitialiser. Comment ça se passe? Elle vomit. Ah. Une quantité bien supérieure à sa masse corporelle. Oh, génial. On va être envahi par ces immondes petits copains si ça continue. Ah. Non, il faut la trouver. Ah, c'est à minuit, c'est pas 21h? Je suis d'accord. Non, justement, à minuit, elle part sur du gaming. C'est à 21h qu'elle part sur... regarde les annonces sur son Discord, Gol. Tu vas voir. Ok. Tac, tac, tac. Alors. Bon, y a rien. Elle est où? Ah, on peut pas voir. Ok. Quel régal! Oui, des munitions! Give me! Ah, quoi? Oh, montez. Bien. Là, c'est lui. Ok, donc ça, on s'en fout. Ah, elle est là. Non! On va attendre. Ah! Ah, bon, bah, ok, c'est moi qui ai mal compris. Tu vois, mais c'est pas grave. Bon, bah, du coup, je pourrais regarder le match. Ok, 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 c'est good. Allez, on y va. On va au 2. Non, au S2. Ok. Ok, ok, ok. Mais du coup, en fait, je pensais vraiment qu'on avait fini et tout. Mais là, la partie va être bien plus longue que ce que je pensais. Donc, Topiro avait donc raison. Voilà. Terrifie.
Ok, là on s'en rapproche. Ça c'est good, des munitions. De l'herbe. Je suis pas fan de foot, mais c'est regardable, tu vois. Ok, oula. On est nul en visée ici, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ça, on peut y aller? Non, on peut pas y aller. Ok. Ici, on a des choses, yes. Je sais pas du tout par où on est censé aller, hein, vraiment. Je sais pas vraiment ce que je fais. J'avoue qu'il y a très peu d'indications. Donc c'est embêtant. Mais là je m'en éloigne. Là je suis en train de m'éloigner d'elle. Ah non. Non non non, je m'en rapproche. Là c'est fermé, on peut pas y aller. Ah bah ça. Ok. Eh hey, mais j'ai une bombe. Ah ok. J'ai vu que j'avais une bombe sur moi. Un bruit bizarre, hein, ce truc. Hein. Je... Qu'est-ce que c'est? Corrosif, ok. J'ai vu que j'avais... En fait, il y a une bombe, d'accord? J'ai une bombe sur moi. Je me dis, ça peut peut-être ouvrir un mur. Ah! Ça sert donc à ça! Ok. Tu es fâchée contre moi, maman? Non, Evie. Je ne suis pas fâchée. Attends. Comment tu m'as appelée? Elle... Je veux plus vivre au laboratoire. Je veux une maison. Oui. Et je veux que tu sois ma maman. Oui. Ok, Evie. Je serai ta maman. Mais viens avec moi maintenant. D'accord. Où es-tu, Evie? Elle m'a enfermée. Evie, attends! Oh non. Ça pue! Kiyoshi qui récupère son VIP, GG! Elle génère d'autres créatures, Alan. Ces trucs sont partout. Je te l'avais dit. Est-ce que ça va? Occupe-toi seulement de ramener Evelyn. Ok. Allez, on y va! Faut qu'on ramène Evelyn. Mais sauf qu'il va y avoir des bêtes partout, en fait. Genre là. 1, 2, 3, coucou! Ok, je vais jamais avoir assez. Je vais jamais en avoir assez. Ok, ça. Je comprends pas comment elle pourrait être là si... ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, elle serait pas là. Oh là là, toutes ces bombes que je récupère, c'est terrible. On est d'accord pour dire que ça pue un peu là, hein. Ils sont morts. Cool. Ça marche comme ça. Ok. Pas mal les bombes. C'est dommage qu'on les ait pas eu avant. Elle va où? 1 2 3 3 Ok, elle va au 3. 3 Allez, reviens. Il va y avoir un monstre. 100% il y a un monstre, attention. 2, 3, coucou. Non, il n'y a pas de monstre. 3. Qu'elle a fait? Mais elle a cassé le truc, je sais pas. Vas-y, pas de soucis, bon appétit, Dark Diablo, bon appétit à tous ceux qui vont manger, hein, bien sûr. Nous, on finit ce jeu. Système de verrouillage d'urgence activé. Ou pas. Va, quel otage on est? Oh non, on est au 2. Les escaliers sont par là. Pas. Pas du tout. Y a rien. Ça là.
Tac. Oh là là, des bombes. C'est trop bien. Je vais jouer que des bombes. Non, non, mais ce n'est qu'une illusion. Personne n'a eu peur. Mais quoi? Oui, je savais qu'il était là et oui, j'ai eu peur. Ça arrive. Là, je peux le prendre. Ça, c'est cool. Hop, on monte là. Mais désolé. Ces escaliers. Il faut aller au 3. 3. 3. Et je cours. Je me raccroche à la vie. La 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 la. Oh, c'est de l'autre côté. Hello Miwo, hello Kaizuru. Comment allez-vous? Hello, hello. Tu me raccroches à la vie, mais oui. Bah du coup, c'est pas là en fait qu'il faut aller. Si, 32, 30, 27. Ok, il y a une porte. Mais oui, il y a une porte ici. Et Win. Ethan. Adam, pardon. Adam, mon amant. Oui, Evie. Elle est hors de contrôle. Sans les traitements, elle se détériore. Foutu pour foutu. Et j'arrive pas à éteindre l'alarme. Il est en train de me tousser dessus, là. Oh, c'est pas très hygiénique, hein. Tiens, tiens, tiens. Qui voilà? Elle te fait confiance. Mais Kaizuru, et j'ai vu quelque chose hier soir. C'est très noble de ta part d'avoir testé quelque chose en live. Elle essaie de prendre le contrôle. Tu dois la combattre. Ah, c'est la même chose qui est arrivée à Zoé. Ou pas? Non. Evelyn, arrête. Arrête ça tout de suite. C'est malade. Ah, sale cuite. Ah ouais, c'était de la vodka black, je crois qu'il a bu. Je suis pas sûre, hein, comme ça. Ouais. Je trouve ça cool que tu fasses du un showdown, même si je suis pas fan du jeu. Covid friendly, ouais, ouais, ouais. Ah, mais du coup, je suis infectée, c'est pour ça que je suis infectée, ok. Ok, ok, ok. Donc là, on repart. J'ai l'air d'être en mauvais état quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est là où je vais enregistrer. Allez? C'est ce moment-là. Tu avais raison. Salut Lettine, comment vas-tu? N'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que... Si tu as ceci... Reste... à l'écart. Oublie jusqu'à mon existence. Et sois heureux. Mais c'est pas du tout le message qu'on avait eu, les gars. Oh, par contre, cette alarme, elle est chiante. Mais c'est pas du tout le message qu'on avait eu. Nous, on avait eu un message en mode... je sais pas quoi, nanana. Ah, j'aime pas ça. Je déteste les gens qui me courent dessus en criant. Mais non, c'est pas le... C'est parce qu'on avait pas eu ça. Ok, c'est une cinématique. Morte?
Ça te saoule ? Ah ! Tu te souviens maintenant ? Oui, Evelyne. Ouais, celui-là, on l'a pas vraiment reçu, ouais. Est-ce qu'on peut être une famille comme avant ? Oui. Non, Evie. On ne peut pas être une famille. On n'a jamais été une famille. On ne sera jamais une famille. Alors, j'ai plus besoin de toi. Mais on dirait que c'est moi. On dirait trop que c'est... comment elle s'appelle on dirait que Evie, c'est là, celle que joue la Mia. En plus jeune. Ok, ça c'est bien, on a... J'ai une crampe à la main. Détruire de n'importe quel sujet, la méthode bio des E à utiliser quasiment en détresse de E. L'acte doit être systématiquement avant, stimulé avant, pour faire place à un échantillon de dans un contenant Xin. Yes, merci en tout cas, merci beaucoup. J'ai tout compris. Hello. Ok, il a l'air cassé. Ça, la poudre. Ok. Ouais, la notice a été détruite, quoi. Non, mais vraiment, c'est bizarre et c'est dommage, tu vois. Est-ce que je peux aller là-dedans ? Je peux pas aller là-dedans, merde. Il y a plus de PC. Ouais, on peut plus faire de bas, ouais. Mais non, mais t'inquiète, ça va venir. On va là, hop. Allez. Oh. Ami du sort, bonsoir Jean-Vedoa, comment vas-tu? Tac. Mais t'es pas déjà venu tout à l'heure, Jean-Benoît? T'as pas déjà dit bonjour? C'est peut-être pas toi et du coup j'ai appelé quelqu'un d'autre, Jean-Benoît, à ta place. C'est possible. Save cet ascenseur. Ouais, mais c'est une échelle, hein, c'est pas un ascenseur du coup. Non, mais non. Moi, je m'amusais à faire ça quand j'étais au collège, quand on montait les immeubles pour faire peur aux gens qui étaient avec moi. Donc, on était une bande de gamins. Je m'amusais à ouvrir un petit peu pendant que l'ascenseur était en train de monter. Du coup, ça l'arrêtait et ça le bloquait. Voilà. Du coup, les gens, c'est de ma faute s'il y a des gens qui ont peur des ascenseurs à l'heure actuelle. Voilà. J'avoue. Je connais ça. Je connais, là, Yana. Mais je reconnais ça. J'ai vu des gens dans cette partie-là. Peut-être que ça marche encore. Ok. Ah oui, non, bah, ouais, bah, écoute, hein. Oh, c'est Ethan. Caméra 5. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Bah... Ok. Little bit. Un peu trop tard, quoi. Le PC Fortnite. Menteur. Arrête ça, Evelyne. Je sais pas, Jean-Benoît. C'est une hallucination. Où est-elle? C'est toi. En fait, c'est elle, Evelyne. C'est son propre démon. Tu vois? Hello? Y'a quoi? Poudre? Ok, on prend la poudre. On a rien du tout, quoi. Oh là là, il y a rien, les gars. Oh. Cabine du capitaine. Ah, ça s'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a? On a le plan du navire. Alléluia, une clé en croix. Ok. Mais attends, mais moi je veux ce fusil. Oh. Ça serait beau, t'imagines? Non, on veut pas ouvrir ça. Ok, là c'est cet endroit là. Je veux le jouet, ouais. Là, il y a une bombe. Ah, c'est là que c'est bloqué, d'accord. Ok. Donc, non, mais y'a rien, ça fait pas peur. Coucou 5, comment vas-tu? Ah, ok, néné, je vois.
Je vois, je vois. Faut que je regarde la carte. Ok, poste de sécurité, salle de contrôle. Là, il nous manque... Bah ouais, mais merde. Là aussi, pour la salle de jeu. Ouais, il y a des étages qu'on n'a pas vraiment fouillés, ok. Voilà. Donc on va y aller. Genre, le S2, tu vois. Toute une zone qu'on n'a pas fouillée. Le 3F, ok. Je sais pas où il faut aller. Pas de soucis, Proto. À prochaine, à plus, bonne soirée à toi. Très chaud, mais ça va et toi? Bah moi ça va, j'ai le ventilo qui est juste là. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que vous m'en voulez? Mais je vais aller faire un tour aux toilettes, les potes. Je reviens tout de suite. Voilà, à tout de suite, j'en peux plus. Et re... Vite, vite, oui, bah écoute, hein. Ces gens qui tournent au ventilo, mais j'ai que ça. Et en plus, il fait la taille de mon visage. Et en plus, il envoie de l'air chaud maintenant. Peut-être que je vais mettre... Oh, allez, ça... Je sais pas comment faire, mais là, il est chaud, le ventilo. C'est horrible. Mais où tu continues le stream? Non. Non, non, non. Air Sarah, ouais, c'est à peu près ça, ouais, Blupar. Allez, on est reparti, je vais couper ça au montage, évidemment, let's go. Non! Non, 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 non! Voilà, c'est bon. T'as failli faire des bêtises. Attendez, j'ai mal remis. Short! J'ai mal! J'aurais pas... Quel enfer. Ok. Mais là, on vient de remonter. Mais en vrai, on n'a pas de glaçons. On en aurait... J'aurais fait ça, mais on n'en a pas. Donc c'est un peu compliqué du coup pour mettre des glaçons devant un ventilo. Quand on n'en a pas. Ok, faut qu'on aille à l'étage du dessous. Autant pour moi. Donc là on était au bon endroit. 3F, on va descendre. C'est si riche en émotion. Mais non. Mais non. Pas du tout. Oh. Mais attendez, est-ce que je ferais pas... Voilà. Voilà. Bon, juste comme ça. On est au 1F. Mais non, mais en fait, il me manque des trucs. C'est quoi ça, hein? Échantillon du tissu d'Evelyne. Ok.
Ok. Coudre à canon, ouais, c'est pas ce qui m'arrange le plus. Là-bas, il y a quelque chose. On aille là-bas. Ici. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Je ne sais pas. Ok, et je vois plus les objets. Merde, je vois plus les objets. C'est bien, c'est comprimé, hein, mais je vois plus. Si, là. Oh, mais il y en a plein, là. Je peux pas y aller. Ok, faut qu'on aille en dessous. Ah, c'est des balles de mitraillette, ok. Ok, c'est pour ça. On n'est pas allé ici. Oh non. Oh non, mais l'abus! L'abus! Mais là, j'ai rien! Mais je suis bête! Si... Je peux... Bah non, je peux pas faire ça. Bah en fait, on a déjà battu quelques mobs là-dedans. Ah, c'est bon? Oh, je l'ai eu en deux balles, Insane. Incroyable. Ça, ok. Bon, alors, il faut peut-être qu'on retourne au-dessus. Regardez, au-dessus, il y a pas mal d'objets. Vu qu'on peut pas aller en bas... Il y a quelque chose... Non, ouais. On peut pas aller en bas. À cet étage, il n'y a plus rien. On va aller au-dessus. À l'étage 3F, du coup. Coucou, Ardan, comment vas-tu? Et une balle gâchée. Bon, certes, tu l'as vu, mais... Fallait pas le dire. Personne n'avait vu à part toi, Bloopard, cette balle gâchée. Ah oui, mais merde, je peux pas. Comment je fais pour y aller? Oh non. Faut que j'arrive à aller à l'étage du dessous. Et je sais pas comment. Je sais pas comment je vais faire ça. Non. Non. Ouais, mais là je suis bloquée en fait. Je suis bloquée. Donc peut-être que tout réside sur l'étage. Peut-être qu'on finira jamais ce jeu. C'est possible. Parce que là, ok. Mais non, mais en fait, on peut rien faire d'autre. Non, il faut que je retourne à l'étage tout en bas. Et que je fouille mieux. Coucou Didine, comment vas-tu? J'en aurais gâché 10. C'est vrai, non, moi j'ai... Franchement, je trouve que c'est le RE où j'ai la meilleure visée, en vrai, sur les mobs. Parce que, bah, de toute façon, t'es obligé de viser la tête, sinon c'est un enfer. Mais je trouve que c'est celui où j'ai la meilleure visée, ouais. Ça va moi, merci. Bah j'ai chaud aussi. C'est pour ça que j'ai mis le ventilo. Ok, ici je suis déjà allée. Oh, l'effet des comprimés il a disparu les gars, je suis deg. Remède de premier soin, ok. Eh bien, écoutez, ce n'était pas par là. T'es sûr que tu peux pas t'ouvrir? Bah non, hein, tu peux pas. Hein. Non. Ok, bah on va remonter quatrième étage. Du coup, y a pas le choix. Ça va. Écoute, on avance, c'est bien. Et... Ah non. Et là, en fait, j'avoue qu'on stagne un peu. C'était censé être fini. Moi, on m'avait dit, ça y est, t'es à la fin. J'étais pas du tout à la fin. J'aurais dû écouter une personne qui m'a dit non, on n'est pas à la fin. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça doit être le RE avec la meilleure maniabilité. C'est peut-être pour ça que j'y arrive bien. Bah écoutez, je suis foutue, hein. Je sais pas. Peut-être rater des choses. Là, oula. Olé, olé, coucou. On va aller voir ici. On peut pas descendre. Oh! Bah oui! Mais Ewin! Ça paraissait évident.
Qu'est-ce que tu fais? Oh. C'est quoi cet endroit du démon? Mais quoi? On est revenu ici? Non mais attends, c'est une blague. Tu rigoles? Mais tu rigoles? Ah ok Yoshi, ok ok. Mais en fait, je viens de faire de la merde. Ouais, je viens de faire de la merde. En fait, je voulais aller en haut. Je voulais aller à l'étage de F. Et je sais pas pourquoi elle est partie vers le bas. Pas de soucis, Wardiaf. Des bisous et des gros bisous à toi. C'est quoi ce bruit? 3F. Ouais, bah écoute, on va essayer de pas trop crier. Peut-être qu'on n'aura pas fini à 21h, hein, qui sait. Vous êtes tous partir pour le match. C'est terrible. Montez. Ok, on est ici. Alors, il y a quoi dans le... Bah, il y a rien. Voilà. Ok, ok, on est là. Oh, yes, ça, c'est ce qu'il nous fallait. On va fouiller à tout l'étage, de toute façon. On va sauvegarder. Et on va fouiller à tout l'étage. Tu restes jusqu'à 22h. Non, mais de toute façon, on aura fini à 22h. Hein. On aura fini. Yes, ok, ça c'est good. Ça c'est très très bien. Je pense qu'il faut pas que je cours. C'est ce qui les attire. Pas peur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là on peut augmenter, mais monter, mais ok. Ça. Ok, oh, ok, on avance. Là, je pense qu'on va bien bien avancer. Ça ne s'ouvre pas. Oui. Attends, pourquoi? Est-ce qu'il faudrait pas le fusible de l'étage 2? Mais... Le problème, c'est que s'il y a le fusible de l'étage 2, on peut plus sortir. Donc ce serait bizarre. Ça c'est la cuisine où elle a vomi. Munitions. Y a rien. Non, pourquoi je me soigne? Mais Ewin, pourquoi t'es bête? Panique, je panique. Il faut pas que je panique. Il faut pas paniquer. Y'a quoi ici? C'est quoi? C'est quoi cet endroit? Plutôt comme engagé du soir, on appuie sur contrôle sans le faire exprès. Cool. Ça on récupère ça. Oh là. Alors? Allez. F. Ouais, y'a des verres dedans. Un crochet. Yes. Ok. Donc, on a de quoi ouvrir deux choses, mais sauf que je crois qu'il nous en faut un troisième. Ouais, quelques secondes trop tôt, ouais. Un peu, ouais, c'est un peu dommage. Je cherche, je fouille juste, en fait, j'ai pas fouillé cet endroit. Après les cauchemars de Raccoon City, les survivants souffrent encore. Ok, il y a eu des survivants. Parce que à part ceux du Stars, je pensais pas qu'il y avait d'autres survivants. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ok, ça c'est good.
Là, on n'a rien. Heureux. Est-ce que on pourrait pas se faire des... Ouais, si, si, on va se faire des munitions. Ouais. Alors, normalement, si on regarde la map, ok? Si on regarde la map... Donc, je peux aller dans la salle de jeu qui est à l'étage 1. Je peux faire quoi d'autre? Là, c'est 3F. Au 3F, je peux aller dans cette salle qui, du coup, va nous débloquer pas mal de choses, à mon avis. Au 4F, y a rien qui change. Du coup, je peux aller au 3F. Je peux aller au 1F. Au S1, S2, S3... Ouais, S3, on va pas y aller tout de suite dans tous les cas. Et c'est où? C'est au 3F, il me semble. Là, je peux crocheter. Donc il me manque un truc encore. Salut Dark, comment vas-tu? Tu as pas fait tous les RE? Bah si, j'ai fait tous les RE, Yoshi. Si. Il me manque que lui et le village. Sinon, je les ai tous faits. Bon, ok, bah il y a cette porte là aussi, bah on va l'utiliser. Ah. On peut pas crocheter la serrure. J'espère que c'était la bonne chose à faire. Hein. J'espère vraiment. Clé de l'armoire du capitaine. Yes. Je sais pas à quel étage c'est déjà. Ça, ok. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va s'arranger avec. S'accroupir. Let's go. L'armoire du capitaine, elle est en haut. Quatrième, hein, il me semble. Hein. Quatrième. Non, si, j'ai dit... J'ai pas du tout dit ça, Yoshi. J'ai dit que je pensais pas qu'il y avait plus de survivants à part ceux du Stars. Je pensais pas qu'il y avait des survivants lambda, tu vois. Enfin, genre des gens qui habitaient à Raccoon. Plutôt que les forces spéciales. Je pensais qu'ils étaient tous morts. Attends! Merde! Oh là là, j'ai eu si peur! Mais en plus, je savais qu'il y avait un truc comme ça qui allait arriver, là! Quel enfer! Ok, faut aller dans la truc du capitaine. Ah! Ah! Salut, bro! Ok. Y'a quoi, là? Ok, une bombe. J'ai plein de bombes, mais j'ai rien pour qui me permet d'ouvrir plein de choses, donc c'est embêtant. Cabine du capitaine. Du coup, là, on a les clés. Donc ça, ça, là, les gars. Allez, la mitraillette, c'est parfait. Voilà. Ah bah oui, oui, en deux secondes, je détruis le monstre, ouais, clairement. Y'a pas un truc pour sauvegarder? Nope. Nope. C'est pas grave. On va essayer de trouver un truc pour sauvegarder. J'ai trop peur. C'est horrible. On va regarder la carte. La carte, c'est que... bah, on va passer par là, parce qu'en fait, c'est très bien. Hop. Allez, relève-toi, Micheline. 3F, let's go. Là-bas. Là-bas, il y a une sauvegarde. Ok. Et du coup, je vais couper la VOD et du coup, je dis des bisous à YouTube.